Et on a bien. CH3, par exemple ici. CH2. Ici CH. CR. CH3, quel est le nom? Deux chloro. Butane. Donc là, on a qu'un seul. Un seul produit. Prenez. L'hydrogène se fixe sur l'un des carbones et l'halogène se fixe sur l'autre. On a que dans tous les cas un seul produit. Même pour les élèves qui font l'inverse, ils font ici le chlore. Et là, l'hydrogène, c'est la même chose. C'est le 2 chloro butane. Tenez, l'aime. Alors, l'addition d'un nitracide sur un arsène dissymétrique. L'addition d'un nitracide sur un arsène dissymétrique. Quoi, tu prends pour 5 minutes. L'addition d'un nitracide sur un arsène dissymétrique conduit à la formation de deux produits. Conduit à la formation de deux produits. L'addition d'un nitracide sur un arsène dissymétrique conduit à la formation de deux produits. Deux points. L'un est majoritaire et l'autre est minoritaire. L'un est majoritaire et l'autre est minoritaire. L'un est majoritaire et l'autre est minoritaire. Conduit à la formation de deux produits. L'un est majoritaire et l'autre est minoritaire. Point. Pour les identifier, c'est-à-dire identifier ces deux produits. Pour les identifier, on appelle la règle de Markovnikov. Markovnikov, on écrit comme ça, ici co. En russe, le double V, c'est l'icône en V. On appelle la règle de Markovnikov. Alors, vous écrivez la règle de Markovnikov et vous l'écrivez en rouge. Vous l'écrivez en rouge. L'addition de nitracide HX. L'addition de nitracide en rouge. Non, pas en rouge d'arbre. L'addition de nitracide HX sur 1. L'addition d'un nitracide HX. Donc, règle de Markovnikov, deux points en rouge. Hein. L'addition d'un nitracide HX sur un arsène dissymétrique. Attendez, j'ai dit quoi? L'addition d'un nitracide HX.
L'addition de l'hydrate. Non. Lors de l'addition. D'un hydracide HX sur un arsène dissymétrique. J'ai un peu cité en début. LORS. Lors de l'addition. C'est le mot. L'homme est en train de se faire.